Un appel téléphonique reçu de l'au-delà. Je vais vous raconter l'histoire vraie, une histoire qui m'est arrivée. Je suis Karine, médium et tarologue. Mon fils dormait et à son réveil, il regarde, il a eu un appel. Il a reçu un appel donc de son cousin, donc il était déjà décédé. La ligne était résiliée. Voilà, ici l'appel. Je vous laisse me croire sur parole, hein, bien sûr. Donc, ils étaient très proches. Suite à cet appel, eh bien, mon fils, vraiment, évidemment, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a essayé de l'appeler et on est tombé sur quelqu'un qui nous a répondu. C'était un garçon de, je sais pas, 12 ans, 13 ans environ. Évidemment, les contacts n'ont pas été gardés, les contacts sont supprimés, mais voilà, il n'a pas non plus essayé d'appeler puisqu'il n'avait pas ce contact. Hein, cette nouvelle personne n'avait pas ce contact. Mais voilà, mon fils a reçu un appel téléphonique de son cousin. C'est une preuve, c'est un message pour dire je suis vivant. C'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre, les défunts. Donc c'est une des preuves que nous avons reçues. J'en ai reçu d'autres, évidemment. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez vécu ce genre d'expérience. Dites-moi ce que vous en pensez. Et en attendant, je vais vous faire un petit tirage pour cette nouvelle année 2024 que je vous souhaite pleine d'amour, d'humour, d'émotion, de rencontres, de nouveaux challenges et de défis. Alors, je vais prendre une carte du tarot. D'ailleurs, si vous voulez apprendre le tarot, sachez que je propose des formations éligibles au CPF. Je vous laisse remplir dans la bio la candidature pour être sélectionnée et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Mais remplissez la candidature. En attendant, une petite carte pour vous. Voilà, pour cette nouvelle année, on a la force. Donc, la force, c'est quoi? C'est l'énergie dont vous êtes, l'énergie qui vous habite aujourd'hui. Cette femme essaye de maintenir à la force des doigts eh bien, la gueule du lion ou du loup, de cet animal féroce. Donc, elle maîtrise la situation. Vous aimez sans doute contrôler. Vous avez la force et l'énergie. Et je vais vous faire un autre tirage. Voilà, pour cette nouvelle année. Voilà, ce qui m'inspire avec l'oracle d'Inanna. Alors, laissez derrière vous le passé. Vraiment aller de l'avant. J'ai cette carte qui m'inspire. Et puis, accepter de faire des cadeaux. Accepter de faire des cadeaux aux gens que vous aimez. Accepter de recevoir aussi des cadeaux. Soyez dans l'action, tout comme agissez. Vous êtes maître de votre destin, tout comme cette carte de la force. Soyez dans l'action. Je ne l'ai pas souvent, cette carte. Et enfin, voilà. Des nouvelles choses pour vous arrivent puisqu'il y a cette transformation qui est là. Donc, si ça vous parle, si ça résonne en vous, eh bien, n'hésitez pas à me faire en commentaire, aussi bien pour l'histoire que pour ce que je viens de dire. Je vais bientôt faire une vidéo sur les prédictions pour 2024.